Samedi soir, je me suis battu. D'accord. Racontez-moi. Il y a un type qui arrivait, je sais pas d'où il sortait. Il m'a bousculé et je suis tombé. Un autre gars que je connaissais pas, enfin, qui m'a tendu la main et il m'aide à me relever. Je sais pas pourquoi, ça continue à me trotter dans la tête. Je me suis retrouvé avec mon poing dans sa figure. Pourquoi à ce moment-là vous y pensiez encore ? Mais il a rien dit en fait. Il est arrivé comme ça de nulle part. Je tombe par terre et... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? En fait, j'ai l'impression qu'il m'a provoqué. Enfin bon, après ma femme me dit que je suis parano, donc... Et vous en pensez quoi ? D'avoir raison. Enfin, j'ai jamais fait ça avant. Je crois. La dernière fois, vous m'avez parlé du moment où vous êtes réveillée à l'hôpital il y a 6 mois. Vous vous souvenez ? Oui. Non, mais les 6 derniers mois, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, je m'en souviens parfaitement. Non, c'est tout ce qui s'est passé toute ma vie avant l'accident qui me pose problème. Je sais bien. Mais pour retrouver tous les souvenirs qui ont été effacés de votre passé, il va également falloir travailler sur le présent. J'aimerais vraiment qu'on revienne à ce moment-là. Avec qui vous étiez ? Ok. Là, je vais vous parler d'un truc, mais c'était pas exactement au moment où je me suis réveillé, d'accord ? Peut-être quelques heures après. J'avais le cerveau encore bien embrouillé, du coup. Et puis, je crois que j'étais avec Seb. Seb qui est... C'est mon meilleur pote, vous savez. Ah oui, le mari de Sophia, c'est ça ? Ouais. Oui, voilà. Et Seb et Sophia, vous les connaissez depuis quand ? Bah nous, ça fait un moment, ça fait un bail. Je dirais... Ouais, on s'est connus tous les trois au collège. D'ailleurs, Seb et Sophia... J'ai l'impression qu'ils sont en couple depuis une éternité. D'accord. Je vous en prie, reprenez. Vous étiez à l'hôpital ? Ouais, j'étais à l'hôpital, donc avec Seb. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On discutait. Enfin, non. C'est plutôt lui qui me parlait. Je venais de me réveiller, donc j'étais encore... j'étais bien fatigué. Pff, tu nous as fait flipper, lui. Bon. Je sais pas si c'est le droit ou la force pour moi, mais... je t'ai ramené une tablette. Et aussi mon excuse. Bon, tu pourras t'occuper un petit peu. C'est cool. Surtout compte pas sur moi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, t'appelles Sophia. Au fait, elle est encore en congé mat. C'est étonnant. Pourquoi il a changé d'humeur comme ça, d'un coup ? Non, il a pas changé d'humeur, d'un coup. C'est moi qui arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé entre-temps. Il manque une partie, en fait. Je vois, c'est tout à fait normal. C'est un moment charnière de votre perte de mémoire, alors forcément, le début et la fin sont un peu flous. Ouais, peut-être, je sais pas. Malgré tout, vous avez l'impression qu'il y avait des tensions, c'est ça ? Est-ce que vous avez ressenti ça à un autre moment récemment ? Écoute, Antoine, si t'assumes pas tes responsabilités, c'est ton problème. Je veux pas si ma vie à courir après. Bien sûr que je voudrais t'aider, mais tu ne me laisses pas la moindre occasion de le faire. Je sais ce que c'est de braver ta carte. Putain. Quoi ? Rien, j'ai fait tomber mon sac. Tu sais ce que c'est de braver un mur ? Franchement, je sais que c'est pas une période facile pour toi, mais quand même. Tu sais, t'es pas tout seul, regarde autour de toi un peu. Justine, elle a plein de boulot avec ses cours, et pourtant elle est là. Chloé, elle travaille nuit et jour, et pourtant, à la maison, elle est tout le temps là. Et puis Sophia, elle est la petite dont elle doit s'occuper H24. Et elle te soutient à fond, et Seb... Votre femme, elle a toujours été aussi vindicative ? Non. Enfin, vindicative, franchement, c'est pas le mot. Bon, ok, on se prenait la tête, parfois. Mais tous les couples s'engueulent, je veux dire, c'est normal. Puis il y avait de la tendresse, enfin.
Je me rappelle encore à l'époque. Et puis, ouais, j'ai l'impression que depuis l'accident, en fait, j'ai le sentiment terrible que ça se dégrade, en fait, au fil du temps. Vous sauriez dire comment est votre relation aujourd'hui ? Parfois, elle ne rentre même pas. Je vois. Voulez-vous vous sentir seule ? Vous diriez que c'est un sentiment récurrent ? Récemment, je me suis engueulé avec ma sœur. Justine ? Non, non, Chloé. Ma sœur jumelle, vous savez. Est-ce que tu crois vraiment que ça va revenir tout seul ? Tu me saoules, Antoine, sérieux. Il me râle pas comme ça. Tu m'énerves quand tu fais ça. T'essaies de me faire culpabiliser, mais ça marchera pas. Je sais ce que t'es en train de faire, hein. Tu t'appuies tôt sur ton sort, tu t'enfermes. T'as l'impression que c'est foutu, t'arriveras jamais à rien. Mais c'est pas n'importe de tout que tu vas guérir. T'as besoin d'action, t'as besoin de ressentir les choses. T'étais déjà un gros foussard avant, mais alors là, profites-en. Tu sais plus qui t'es. Ben décide, franchement, là, c'est l'occasion. Moi, c'est ce que je ferais. Tu sais très bien ce que j'en pense. Quand on veut être quelqu'un, on se donne un beau coup de pied au cul et on y arrive. T'as envie d'être qui ? T'as envie d'être ce mec qui voit plus personne, qui voit même plus son meilleur pote, juste parce qu'il en fout tellement le problème qu'il ne voit même pas ? Ce mec qui laisse sa femme s'éloigner doucement mais sûrement, juste parce qu'il se dénigre tellement qu'il a l'impression qu'il la mérite pas ? Ce mec qui s'enferme à double tour en pleine journée, ou qui a l'impression de faire le deuil quand il se couche à minuit ? Ce mec qui, quand il a l'accident, n'a rien trouvé plus minable qu'une chute dans les escaliers ? Pardon. Est-ce que vous sauriez décrire quelle était votre relation avec elle au cours de ces deux dernières années ? Ben, on en avait parlé, vous savez, c'est une relation de frère et sœur vraiment, ouais, super classique, en fait. L'amour vache, en quelque sorte. On est très proches, hein. Honnêtement, on est très proches, mais on sait se dire les choses. Et vous pensez que vous êtes aussi dur avec elle qu'elle l'est avec vous ? Non, bien sûr que non. Enfin, je sais pas. Apparemment, je suis quelqu'un de nature beaucoup plus passive, comme elle dit. C'est un mot qui vous déplaît ? Ouais, bah évidemment. En fait, surtout depuis l'accident, c'est un mot qui résonne super bizarrement dans ma tête. Le fait de ne pas me souvenir de ce qui s'est passé, d'avoir l'impression d'avoir aucun contrôle sur ce qui... Mais arrivé, ben, ça renforce, je pense, ce côté passif qu'elle déteste. Après, elle peut bien dire ce qu'elle veut, hein, mais... Non, mais c'est vrai que j'ai du mal à aborder les sujets qui fâchent avec elle. Comme quoi ? Le fait qu'elle a une vie complètement bancale. Elle fait de la traduction, ça lui rapporte rien du tout. Et puis, le soir, pour compléter, ben, elle travaille dans un bar comme serveuse, quoi. Et puis, on est tout le temps en train de faire la fête. Et puis, elle fume beaucoup trop. Je suis trop fière de toi. Vous fumez ? Oui. Donc, elle ne sait pas que vous désapprouvez son mode de vie ? Si, si, bien sûr que si. Évidemment qu'elle le sait, puisqu'on est tout le temps en train de s'engueuler à propos de ça. Entre autres trucs, hein. Il y a plein d'autres choses qui font qu'on s'engueule. Mais aux millions de ménagères françaises aussi déprimées qu'elle vivent l'accident, ouais. Et ses problèmes... Apparemment, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Enfin, sa vie, elle la gère beaucoup mieux. Son activité de traductrice, là, par exemple, ben, elle a réussi à la développer correctement et ça marche bien pour finir. Vous avez dû être fière. Ouais. Ouais, je lui ai dit ça. Je m'en souviens. Je lui ai dit, franchement, je suis trop content de m'être trompé. Je suis super fière de toi. T'es la plus forte. Mais quel con. Vous avez donc assisté à sa réussite professionnelle avant votre accident. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je me suis aussi comporté comme le parfait connard qui l'avait jamais soutenu, quoi.
J'aimerais qu'on revienne sur un point. Tout à l'heure, vous m'avez dit à propos de votre femme qu'elle avait déjà ce sentiment que je ne la connaissais plus vraiment. Oui, non mais pour moi, c'est clair. Avec mon amnésie, j'ai complètement oublié l'événement le plus important de notre vie, de couple, en fait. J'ai jamais été très mariage. Ça va? Vous l'avez bien vécu? Tu sais, moi c'est mon pote, hein. Je sais pourquoi je choisis comme témoin. Oui, par contre, les statistiques des divorces, il était obligé. Voilà, il était un petit peu trop loin quand même. Après, moi, ça me choque pas. Je voulais vraiment être sûre qu'il n'y avait pas de problème pour moi. Bah, moi, c'est ma mère qui m'a fait une petite réflexion quand même. Ah ouais? Ouais, elle m'a fait... tu sais, le discours d'Antoine, bon, c'était vraiment très intéressant. Ah oui, je la vois bien, ouais. Puis à la fin, tu sais que du champagne, normal, comme ça. Bah, disons qu'on a bien senti le mec anti-mariage en même temps. Et vous les avez entendus? Ouais. Mais bon, ça m'a pas vexé. Enfin, je veux dire, c'est bon, je les connais. Il y avait pas de souci avec ça, mais ça, c'était il y a 5 ans. Et pourtant, vous dites que votre mariage avec Emma, c'était la plus belle chose qui vous soit arrivée à tous les deux. Bah, j'imagine que si je l'ai fait alors que à l'époque, bah, j'étais contre, c'est que je devais avoir mes raisons. Et puis, non, mais pour elle, en plus, c'est quelque chose de très important, le mariage. Enfin, c'est très symbolique dans l'engagement. Et justement, puisque c'est symbolique, vous pensez que vous auriez été capable de le faire uniquement pour lui faire plaisir? Non, bah non. Non, justement. Est-ce que ça vous dirait qu'on recherche pourquoi vous avez pris cette décision importante? Bien. Détendez-vous et respirez profondément. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Ok, faut vraiment que je te dise. Je vois Emma. J'ai pas ri devant le dîner de con. Et ni devant Astérix Mission Cléopâtre. Mais j'adore les films. La Grande Vadrouille, par exemple. Ou genre Massacre à la tronçonneuse. Je pourrais les regarder en boucle. En fait, je les regarde peut-être en boucle. Tous les ans, en m'épilant les jambes à la pince épilée, les pieds dans un bain d'eau chaude. Ça me réconforte les soirs d'automne. Je déteste cette saison. Ça me rappelle l'époque où j'ai perdu Monsieur Chat. C'était mon premier poisson rouge. En plus, j'étais pas petite. J'avais 20 ans. Je suis fatiguée en permanence. Et le dimanche, il me faut au moins 3 heures d'affilée toute seule. Ah oui, je déteste ta coupe de cheveux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais amoureux. Enfin, je sais que ça fait super cliché, hein. Vous devez vous dire ça, mais... c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Pourquoi vous souriez? Je pense à ma petite sœur, Justine. Pourquoi? Ça me fait cet effet-là. À chaque fois que je ressens une émotion pure, brute, ça me ramène à ce que je ressens pour ma petite sœur. Elle a l'air d'avoir un effet très positif sur vous. C'était le cas ces 2 dernières années? Il faut essayer. Elle a quoi, ta sœur, là? Elle passe un examen dans 1 heure. Quel examen? Ben, l'examen qu'elle attend depuis 2 ans qui permettra d'accéder à l'une des plus grandes écoles du monde. Mmh. Ah oui, ça. Oui, attends, ça. Mais pas encore... une épreuve de sélection juste après? Mais d'abord, elle doit réussir celui-là. Ensuite, ils choisissent les meilleurs pour faire une thèse à Milan. Ou alors, elle la fera à Paris. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Elle compte vraiment partir en Italie. C'est angoissant, son truc, non? Mis à part ce jour où elle vous a transmis son stress,
Somme toute très compréhensible. Aucun souci avec votre petite sœur. Non. Non, je veux dire, rien de particulier, rien d'alarmant. Mais je me souvenais pas de ce moment-là. Enfin, honnêtement, ça me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression de reprendre un petit peu le contrôle. C'est normal. Vous ressentez le besoin d'avoir le contrôle, particulièrement en ce moment. Parce que votre perte de mémoire, c'est un peu comme si on vous coupait d'une partie de vos capacités. En fait, les souvenirs, c'est le lieu de votre personnalité, mais c'est aussi le lieu de vos savoirs et de vos compétences. Alors forcément, bah, quand vous les perdez, vous avez l'impression de perdre le contrôle. Oui, d'accord, mais c'est même plus que ça, en fait. J'ai non seulement besoin de reprendre le contrôle, ouais, mais surtout de plus me sentir victime. Vous avez déjà employé ce mot tout à l'heure. Ouais, c'est juste que... Non, mais c'est débile. Antoine, je ne vous juge pas et franchement, peu importe ce que je crois. Le fait d'être tombé comme ça bêtement dans les escaliers, mais... Ça me ressemble pas du tout. Enfin, je veux dire, justement, d'habitude, je suis beaucoup trop dans le contrôle. Et puis même... J'ai comme une espèce de... Oui. D'intuition, en fait. Et qu'est-ce que vous dit cette intuition? Que c'était pas un accident. J'ai un autre souvenir là qui me vient en tête. Enfin, c'était quelque chose qui date d'il y a 1 ou 2 ans. Je suis en train de parler avec Emma. Je lui expliquais que je venais d'avoir Seb et Sophia au téléphone. Et qu'ils m'ont annoncé que Sophia était enceinte, qu'ils allaient avoir un gosse. Et qu'ils voulaient que je sois le parrain. Et franchement, j'étais super heureux pour eux, en fait. Et puis, je sais pas, le fait... On parlait de contrôle, là, tout à l'heure. Le fait de savoir que mes deux amis aussi proches allaient devenir parents, ça m'a fait comme une sorte de déclic. Je sais que j'en avais parlé à Emma et que... à ce moment-là, avec notre projet de mariage en route, j'avais envie de me prendre en main. Vous voulez un enfant? Non, 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 c'était pas ça. Je voulais arrêter de fumer. Et à ça, elle m'a répondu... Franchement, sur ce coup-là, franchement, je te soutiens à fond. Est-ce qu'elle vous soutient, en règle générale? Oui. Ouais, enfin, Emma, c'est quelqu'un de façon de très altruiste. Elle aime aider les gens. C'est ce qui vous a plu chez elle? J'imagine, ouais. J'imagine que, comme on dit, les contraires s'attirent. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Disons que ça me dérange pas de donner un petit coup de main ou quoi, mais c'est pas non plus ma passion. Et elle, oui. Bah, elle en a quand même fait son métier. Elle fait quoi déjà? Elle est conseillère conjugale. Quoi? Rien. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment très affecté par ce qui vous est arrivé et par cette perte de mémoire. Vous m'avez raconté que vous vous étiez senti agressé par cet homme qui vous a bousculé, peut-être involontairement, et vous avez vraiment réagi de façon disproportionnée face à cette chute. Sans parler de vos problèmes relationnels avec vos proches et de cette amnésie ciblée sur les 2 ans avant votre accident où il s'est passé beaucoup de choses. Quand je vous ai demandé si vous étiez d'accord avec votre femme qui vous avait trouvé parano, vous m'avez répondu... J'ai jamais fait ça avant, ça me ressemble pas. Voilà, c'est ça. Un peu comme si vous aviez besoin d'expérimenter.
J'arrive pas à m'enlever de la tête cette dispute que vous avez eue avec votre sœur qui vous a dit que vous étiez un trouillard. Je pense très sincèrement qu'en vous disant ça, elle vous a mis dans la tête que vous ne viviez rien. Et du coup, bah, forcément, vous êtes battue avec quelqu'un qui vous a bousculé parce que je pense que vous aviez besoin de ressentir quelque chose. C'est quoi ce I là ? Pardon ? L'initiale I sur votre tasse. Ah, ça, c'est un I comme intuition. Vous savez, il en faut dans mon métier. Ouais. Si, bah, y a bien une fois où j'ai ressenti quelque chose, mais ça fait pas partie des deux années que j'ai oubliées. Je vous écoute. Quand on s'est rencontrés avec Emma, bah, c'était une soirée chez Seb et Sophia. Et je crois que Emma venait d'arriver dans l'équipe de Sophie, au boulot. Ça faisait quoi, juste quelques mois qu'elles étaient ensemble, mais elles étaient déjà super potes. Désolée, pour être claire, c'était quand à peu près ça? C'était à leur toute première crémaillère. Moi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, donc. 7 ans. Reprenez. Oui, et donc, cette fameuse crémaillère. Je me souviens que j'étais super malade. J'avais attrapé une grosse crève. Bon, au début, franchement, je me faisais un peu chier. Mais après, avec Emma, on s'est retrouvés comme ça tous les deux. Assis sur le canapé. Avec petit mouchoir et nos verres d'eau. C'était un peu ridicule. Mais elle avait un petit plaid comme ça sur ses genoux. Et elle m'a proposé d'en partager la moitié. Parce que j'étais tout grelottant, je sais pas quoi. Franchement, j'ai trouvé ça... Sur le coup, j'ai trouvé ça trop mignon. Vous vous souvenez maintenant des raisons qui vous ont poussé à demander un mariage? Vous étiez sûr d'avoir pris la bonne décision? Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci. Vous dites plus rien? Vous non plus. Pardon, je sais plus. On en était où là déjà? On parlait de votre femme. Et ça m'a fait penser à certaines choses que vous dites souvent. Contrôle, passif, victime. Je peux pas m'empêcher de revenir au début de notre conversation. Vous savez, la manière dont vous avez réagi quand cet homme vous a bousculé. Et puis, il y a cette intuition aussi que vous avez... Attendez. Je comprends pas. Ça va très vite. Je vais reprendre. C'est juste que c'est flou. Depuis votre accident, vous avez vraiment été inactif. Vous n'avez pas cherché à régler les problèmes, quels qu'ils soient, avec votre meilleure amie ou votre petite sœur. Vous n'êtes pas sortie non plus et vous ressentez à nouveau cette peur de l'engagement avec votre femme. Et alors? Enfin, pardon, mais... Merde, je veux dire, je fais ce que je peux. Moi, je suis complètement paumé, j'ai tout oublié, donc... Je sais. Et c'était pas un reproche que je vous fais. En fait, la position de victime dans votre situation, c'est même plutôt une bonne chose.
En fait, elle vous permet de reproduire un comportement présent pour retrouver un comportement passé. Je veux dire, cette dispute avec Seb que vous occultez volontairement pour ne pas être capable de la régler... On parle vraiment là d'un événement dramatique. L'accident, dans le sens imprévisible pour vous, mais dont quelqu'un d'autre aura le contrôle. Merde. Quoi ? À la position de victime pour se souvenir qu'on en a été une. Attends, mais... Le sentiment profond d'être la victime de quelqu'un d'autre. On m'aurait agressé. Attendez-vous. On m'a agressé, c'est sûr. Je pensais que... Vous n'êtes pas tombé seul. Bien sûr. Antoine, est-ce que vous avez une idée de qui... Vous savez bien, j'ai pas beaucoup de monde. Enfin, y a pas beaucoup de monde autour de moi qui me connaît assez pour m'en vouloir pour un truc grave, quoi. Mais en même temps, il n'y a pas personne non plus. D'accord. Vous les connaissez. Je veux dire, ok, ma femme Emma, mes deux sœurs, Seb, Sophia. Antoine, si vous avez des doutes, il faut rapidement les dissiper. Je sais que le jour de votre accident ne vous est pas revenu en mémoire depuis que nous travaillons ensemble. Probablement parce que c'est le plus difficile. Mais je suis là pour vous aider. Je peux vous aider à recoller les morceaux de ces deux dernières années et comprendre ce qui aurait pu pousser cette personne à vous attendre devant chez vous et commettre un acte aussi violent. C'est trop bizarre. Vous voyez, dans ma rue, on n'est pas nombreux. On est quoi, juste... Il y a juste trois maisons, en comptant la mienne. À gauche, c'est une vieille dame qui est là depuis longtemps. Et à droite, ben, c'est un couple. Et on s'entend bien avec eux. Et je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai fait en sorte... de ces clés, de les donner à personne, justement. Je veux dire, même pour les soirées, on a un interphone. Allez, passe-moi les clés de ton portail. Pourquoi tu veux pas me les passer? Pourquoi t'en as besoin, en fait? Mais je sais pas si un jour vous êtes pas là et que c'est fermé. Ou alors s'il y a des potes qui veulent passer. Ça serait beaucoup plus simple, mais non. Je vais pas vivre chez vous éternellement. C'est quand même mieux si j'ai les clés pour entrer sans sonner, non? Si on veut inviter des gens... Pas besoin de la donner, la clé. Et puis, même, on s'était dit qu'on la filerait au moins de monde possible, justement pour éviter les intrusions. Et vous faites bien. C'est ironique. Il y a un autre souvenir là qui me vient. C'est... une discussion avec Seb et Sophia, le jour de mon mariage. Sophia, elle était enceinte, et Seb m'a dit ça. Si tu passes en jogging avec un paquet cadeau, je paye une tournée générale. Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment Sophia pouvait être enceinte à votre mariage il y a 10 mois, si son bébé est né il y a plus d'un an? Oui. Non, mais c'est vrai. C'est con, là, ce que je vous dis. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi il disait ça? C'était un pari? Je sais pas. Ouais, peut-être quelque chose dans le genre, mais... Non, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Oui, je pense qu'on va essayer de recentrer le souvenir. Est-ce que vous pouvez garder l'émotion
Et on va essayer de replacer le contexte. Continue d'y penser. Est-ce que quelque chose vous revient ? C'était avec Seb et Sophia. C'était en hiver. Je crois qu'on s'était croisés par hasard. Comme ça, dans la rue. Mais non. Déjà, c'était en été, ouais. Il faisait chaud. Ils s'étaient mis au sport. Voilà. 5 km aujourd'hui. Pas mal, hein ? Trop forte, ma chérie. Tu veux toujours pas venir courir avec nous ? Ah, laisse-le tranquille. Tu passes un de ces quatre à la maison ? Ah, c'est vrai que ça fait un petit moment que t'es pas venu. Bon, t'as encore jamais rencontré ta fiole, quoi. Non, mais évidemment, s'il va venir. Hein. Hey, tu peux nous dire si tu t'en fous. Hein. Non, mais Antoine, c'est pas ce qu'il voulait dire. Bah, si. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il est hyper content que tu sois son parrain et qu'il a hâte que tu la rencontres. Que j'ai hâte ? Non, mais j'ai plus hâte, là. C'est quel âge elle a, moi ? Mais bien sûr qu'il sait. Ouais, déjà 2 mois. Oui, bientôt, mais tu vas venir en courant. Si tu viens en jogging avec un paquet cadeau, je paye une tournée générale. Et du coup, vous savez pourquoi il vous a dit ça ? Il vous en voulait beaucoup ? Ouais. Oui, clairement. Enfin, je veux dire... Je vous ai dit, on se voit plus maintenant. Plus du tout. Vous pensez que c'est à cause de ça ? Mais c'est par pitié que je reste avec toi ! C'est une facette de votre femme que vous n'avez pas encore évoquée. Ouais. Ben, c'est juste que... J'ai l'impression que chez Emma, il y a quand même beaucoup de ressentiments. Dans le couple. Il y a beaucoup de non-dits. Mais puis surtout à l'époque, quoi. Et vous avez eu l'occasion d'en parler autour de vous ? De quoi ? De vos problèmes de couple. Ouais. Pas tellement. Enfin, si, avec Chloé. Mais bon. La dernière fois que vous m'avez demandé d'aborder un sujet en particulier avec quelqu'un dans mon entourage, ça a fini en engueulade, alors... Je pense que vous avez mal compris. Qu'est-ce qu'elle vous disait, Chloé ? Elle m'a dit des choses, il y a peut-être 1 an, que franchement, j'aurais préféré oublier. Franchement, ça, c'est compliqué. J'ai pas envie de t'influencer ou de te raconter n'importe quoi, parce que ça se trouve, je me trompe, mais... Mais je trouve ça un petit peu trop malsain. Tu me dis qu'elle t'a poussé. Pendant des années, elle insistait pour que vous vous mariez, alors que toi, à la base, c'est pas ton truc. Elle veut une vie réglée comme une horloge, mais je pense que c'est plutôt pour avoir la mamie sur tout ce qu'elle fait, quoi. Et sur toi, ça te bride. Quand tu me racontes tout ça, et surtout les choses horribles qu'elle te dit, j'ai pas l'impression que tu sois heureux. Franchement, je l'ai jamais senti. Je sais pas comment ça va finir, mais j'ai l'impression qu'elle t'apportera pas que du bonheur. Donc, de ce que vous me dites, votre sœur jumelle, qui est la personne qui vous connaît le mieux, se méfiait de votre femme. C'est ça. Bah... Après, voilà, c'est ma sœur, elle est vraiment très protectrice. Mais c'est vrai que des fois... Bon, Emma, elle a beau être altruiste, tout ça. Enfin, je veux dire, avec moi, pas toujours. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est très dur. Surtout depuis l'accident, en fait. C'est quelque chose dont je voulais pas vous parler au début, mais... Il y a une fois, un soir, j'étais à la maison, et puis il y a Emma et Sophia qui sont rentrées, toutes les deux. Je savais pas que j'étais là, j'étais dans la chambre. Et... Je sais pas pourquoi, moi. Pour la méchante. Il se bat avec ses souvenirs, il se bat avec la situation. Mais j'ai quand même rien le droit de dire. Franchement, c'est épuisant. Mais il était des quoi quand tu lui as dit que vous faisiez plus rien ensemble ? Bah qu'il faisait des efforts, forcément. Qu'il faisait le maximum, mais que de toute façon, ça faisait rien. Donc, qu'il allait plus rien faire, quoi. Il fait chier, quoi. Et puis c'est comme quand il a reçu ses lettres, là. On ne sait pas qui, on ne sait pas où, mais c'est pas pour ça qu'il a bougé le petit doigt. Franchement, il y a des fois, je voudrais qu'il soit plus là. En fait, ça me rappelle un jour. C'était
crois que c'était il y a un an, et j'étais à une soirée comme ça chez Seb et Sophia, quoi. Non, c'était chez Chloé. Et j'ai poussé, j'ai ouvert une porte. Et j'ai entendu ça. Non, mais tu peux pas dire ça! Tu peux pas dire qu'il crève en parlant de ton meilleur pote! J'ai refermé la porte directement, j'ai pas voulu en savoir plus. Mais vous avez pas été curieux? C'est pas que je suis pas curieux, mais. Je me suis dit que parfois les paroles dépassent les pensées. Mais sauf qu'avec notre nouvelle certitude. C'est pas une certitude, déjà. D'accord, avec la nouvelle forte probabilité que quelqu'un vous ait poussé dans les escaliers, peut-être qu'il serait judicieux de se demander pourquoi il a pu dire une chose pareille, vous croyez pas? Vous aviez des problèmes avec lui? Ah, je suis pas allé voir ma filleule, à sa naissance. Bon, d'accord. Mais à part ça. Cécile, je vous avais demandé de ne pas me déranger. Excusez-moi, mais il y a la Blanchard qui... Je suis désolée. Dites-lui que je la rappellerai pour fixer un entente à vous. Et on en a encore pour un moment là, Cécile, donc je fermerai ce soir. Vous pouvez y aller. Bonne journée, Cécile. Excusez-moi. Pas de soucis. Non, sinon... Enfin, je veux dire, avec Seb, on n'a pas de problème particulier. On se connaît depuis super longtemps, depuis quoi... Depuis la sixième. On est super proches. On a passé... connaître nos familles respectives. On fait 400 coups ensemble. On soutient quand ça va pas. Et il n'y a jamais eu de dispute ou de problème, quel qu'il soit, enfin... À la fac, une fois, j'ai un peu déconné. Tu es content? Je sais même pas quoi te dire, t'as juste sidéré. Classe. Non mais tu sais quoi? Ça me surprend pas tant que ça en fait. T'as jamais été intéressé par mon propre bien-être? Ouais mais Seb, on s'en fout, il dira rien, de toute façon il est trop gentil, bête, tu sais quoi? Profite. Profite. Si elle m'a largué pour toi, je la regrette bien pour quelqu'un d'autre. Vous êtes tombé amoureux de sa petite amie de l'époque. Non, mais j'étais pas amoureux. Mais vous êtes mis quand même en couple avec elle. Ce jour-là, je serai là. Je serai là quand elle te larguera. Ce sera bien fait pour ta gueule. Qu'est-ce que ça fait de mal, sérieux? Sérieux? Qu'est-ce que ça fait de mal? Vous voulez changer de sujet? Oui, je préfère. Chloé, c'est l'inverse de Justine, c'est ça? Elle a pas sa langue dans sa poche. Chloé, c'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'elle pense, même si ça vous plaît pas. Je me souviens, d'ailleurs, il y a à peu près 4 ans, on s'était engueulés. Et elle, quand elle gueule, elle fait pas semblant. Mais merde, Antoine! Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis pas toi? Que j'ai pas besoin d'avoir un petit boulot dans un petit bureau et une carrière pour être bien dans ma vie? Arrête de croire que parce que je fais ce qui me plaît, je suis une loser, s'il te plaît! S'il te plaît, pas le boulot traductrice, ça tombe bien, je demande pas à le faire. Juste de me soutenir. Désolée, je vous coupe, mais... Vous étiez sûre que c'était pas plutôt... Juste de me soutenir? Ah non, c'était même... Juste de me soutenir! Alors au lieu de me regarder avec ton petit regard méprisant et me faire sentir comme une merde, intéresse-toi un peu à ce que je fais et sois content quand j'ai juste une petite mission! Moi je m'en fous, c'est ce que je veux dans ma vie, j'en suis sûre! Je te demande de me soutenir, merde, t'es mon frère, putain! Et du coup, elle exprimait sa violence physiquement. Oui, bon, c'était pas non plus... Cet objet qu'elle a lancé dans votre direction, elle était consciente que ça pouvait vous faire du mal. Ça m'a juste fait un petit bleu de rien du tout. Sauf que si elle est capable de ça...
Toi, il n'y a vraiment rien qui vous revient concernant le jour de l'accident. Non. Non, je vous l'aurais dit sinon. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous souvenez, là, de l'examen que devait passer Justine ? Eh ben... Elle l'a réussi. Je faisais même partie des meilleurs. Donc, du coup, le directeur devait l'appeler pour... lui dire si elle pouvait venir faire sa thèse en Italie, à Milan. Ça, c'était à la période où elle vivait chez nous. Je me souviens que j'étais... dans le couloir et je la vois... Elle était à la maison, je la vois entrer dans la salle de bain pour aller prendre sa douche. Et puis là, son téléphone sonne. Alors, je crie à travers l'appartement, je lui dis qu'elle a un appel, mais elle m'entend pas. J'ai décroché à sa place. Et c'était la secrétaire de cette fameuse école. On lui annonçait que, ben, elle était prise. Sauf que moi, derrière, j'avais un rendez-vous. Vous deviez aller où ? Je sais plus. Je me rappelle juste que je devais aller à un endroit, faire un truc. Mais juste pour moi, quoi. Enfin, quelque chose dont je parlais pas trop aux autres, c'est... Peu importe. Et donc j'ai cette information-là. Mais je pars de l'appartement et j'ai complètement oublié de lui transmettre le message. Résultat, ben, en l'absence de réponse de sa part, ils ont donné sa place à quelqu'un d'autre. Elle vous en a voulu ? Ah oui, mais pire que ça en fait. Je s'est sentie blessée. Vraiment, profondément. Je me rappelle qu'elle m'a dit... Elle m'a dit c'était ce que je voulais. Non, c'était même plus fort que ça. C'était... C'était la chance de ma vie. Putain. Je suis trop bête. La pauvre, quoi. Et on n'en a jamais reparlé, en plus. Vous savez, trop de ressentiments, ça peut parfois amener à des comportements violents. Le cerveau emmagasine toutes ces choses refoulées, et puis à un moment, il craque, on décompense, on se contrôle plus. Non, mais pas Justine. Pas Justine, attendez. Désolé, le prenez pas mal, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'avance pas, en fait. Enfin... Pardon, mais... Vous croyez pas... Que, je sais pas, on pourrait essayer autre chose ? Même que j'essaie de voir un autre psy, hein. Juste pour voir, hein, vraiment. Puis on se voit 3 fois par semaine, c'est... Vous savez, Antoine, ce serait une très, très mauvaise idée. À l'heure actuelle, je suis vraiment la mieux placée pour vous aider. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas une autre femme dans votre vie avant l'accident ? Pourquoi vous me demandez ça ? Bah, ça expliquerait l'insécurité de votre femme et un potentiel accès de violence. Non, je dirais que c'était même plutôt l'inverse, en fait. Oui, mon amour. Oui. Moi aussi, j'ai trop hâte. On se voit tout à l'heure. Bisous. C'est pas à moi qu'elle parlait. Je m'en souviens maintenant. Je lui ai jamais dit que j'étais au courant. Ça, c'est... quelques semaines avant, ça. J'aimerais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé d'un moment où vous aviez ressenti quelque chose, la rencontre avec Emma. Vous étiez dans quel état à ce moment-là ? C'est-à-dire,
J'étais comment? Je sais pas, vous étiez bien dans vos baskets, déprimé. Je sais pas, je me rappelle pas. C'était il y a longtemps. J'ai l'impression de radoter, de répéter toujours la même chose. Vous pensez qu'on tourne en rond? Non. Non, c'est pas ça, c'est vraiment que... Tout ce que je vous dis là, ça sert à rien. Je suis désolée, Antoine. Je voulais juste revenir sur quelque chose d'important. Vous avez pas l'impression que ce serait plus intéressant d'aborder d'autres points qu'on n'a jamais vus ensemble, dont on n'a jamais parlé avant? Pardon. Je crois que vous avez raison. J'ai besoin de ressentir des trucs parce que dans ma vie, c'est le néant. Vous pensez que vous ne viviez rien depuis longtemps? J'ai eu des moments heureux. Mais malgré tout ça, vous avez quand même l'impression de ne rien ressentir. Je suis quelqu'un frileux, passif, quoi. Ça doit être affreux de se dire « je subis ma vie ». J'ai l'impression qu'on touche quelque chose d'important là, du doigt. Il y a eu dans votre vie des événements qui ont marqué vos émotions de façon très handicapante. Et puis, vous êtes une personne fragile, Antoine. Et pourtant, vous vous mettez dans le conflit. Par exemple, cette situation avec Seb. Pourquoi ne pas vous être plus intéressé à lui? Et cet oubli vis-à-vis de votre petite sœur. Vous voyez? Ça a commencé depuis bien avant votre accident. Et vous dites vous-même que vous avez ce sentiment profond de n'être pas tombé par hasard. Il y a trop de choses qui vont pas. Oui, il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de mal-être. Et puis, ça fait comme une sorte d'effet boule de neige, du coup. Et parmi toutes ces choses, vous avez une part de responsabilité. Comme si vous les aviez provoqués. Vous êtes dans une spirale d'émotions négatives depuis plusieurs années. Et alors je me dis que peut-être que c'est vous qui les aviez provoqués parce que vous considériez déjà que vous ne méritiez plus cette vie. Ou peut-être plus de vie du tout. Peut-être que ce jour là, en sortant de chez vous, vous avez voulu... Que j'ai voulu quoi? Non, vraiment, que j'ai voulu quoi? Enfin, on parlait d'une agression tout à l'heure, mais... Mais là, un suicide, carrément. Je sais que c'est difficile à entendre pour vous, mais c'est une vraie question qu'il faut que vous vous posiez. Et vous seul avez la réponse. Vous pensez à quoi? J'essaie de me souvenir. Fin de la séance du 5 juin 2020. Je voulais arrêter de fumer. Franchement, sur ce coup-là, je te soutiens à fond. Si je l'ai fait alors que, à l'époque, j'étais contre, c'est que je devais avoir mes raisons. Passif, victime. Pas si mal pour un premier petit contrat. Encore une lettre? Mais c'est bon, j'en ai ras-le-bol là, ça fait la 15e. Mais quel con. Mais c'est pas pour ça qu'il a bougé le petit doigt. Est-ce qu'elle vous soutient en règle générale? L'examen qu'elle attend depuis 2 ans qui permettra d'accéder à l'une des plus grandes écoles du monde. C'était la chance de ma vie.
Tu peux pas dire qu'il crève en parlant de ton meilleur pote. C'est quel âge elle a, moi? Oui, mon amour. Oui. Moi aussi, j'ai trop hâte. Vous pensez que vous auriez été capable de le faire uniquement pour lui faire plaisir? T'es déjà un gros foussard avant, mais alors là! J'ai l'impression qu'il l'a fait exprès. Qu'il l'a fait pour me provoquer, quoi. Ce mec qui a eu l'accident avait trouvé le plus minable que j'ai dans l'escalier. Rien de presse, on y reviendra la prochaine fois. Je vous raccompagne ? Bonne soirée, monsieur Clément. À la prochaine fois.